Wesh les potos, j'organise un Master Kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros, ce qui équivaut à plus ou moins 40 000 V-Bucks les potos. Pour y participer, il faudra être là soit l'après-midi à 17h ou soit le soir à 22h. Toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important, les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des nouveaux skins à venir les potos, et franchement c'est du lourd. Donc comme vous savez, les data miners, ils arrivent à récupérer les skins qui vont sortir prochainement sur Fortnite Battle Royale grâce à la nouvelle mise à jour, donc la version 4.0.0. Donc là franchement vous n'êtes pas prêts, franchement, parce qu'ils ont annoncé du lourd. Donc le premier personnage, les deux premiers personnages que je vous propose, c'est tout simplement Little Show et Little Lit. Donc voilà, ça en anglais, c'est des personnages uncommon, donc je pense que c'est une couleur verte, donc ils coûteront je pense 400, 500, 600, ouais 600 ou 800 V-Bucks. Donc regardez un peu ces skins, what the fuck les potos, vous avez les couleurs qu'ils ont, c'est vraiment insane, franchement c'est trop stylé. Alors, le mec, il a des croix sur ses lunettes. Franchement, il déchire. La couleur de leur peau, elle est toute noire. Je ne sais pas si ce sera fluorescent. Mais si c'est fluorescent, ça peut donner encore un peu un meilleur style. Après, c'est sûr que ça va se voir de loin. Mais putain, comment ils sont trop balèzes, ces deux-là. Vraiment, trop de ouf. Même la meuf avec ses lunettes, là, genre avec des stores. Ben, c'est trop stylé ces putains de lunettes, franchement. Et imaginez, même si les couleurs ne ressortent pas, on va genre danser dans les trucs où on peut danser. Et ben avec les lumières, ça fait ressortir nos couleurs. Ce serait trop insane, franchement. Super bien. Alors avec ce skin, ce qu'on pourrait ajouter aussi, c'est cette petite pioche qui s'appelle le glow stick. Donc après, je sais pas du tout si ça s'associe à ça. Mais bon, moi, je l'ai associé à cet ensemble. Je trouve qu'elle est quand même assez stylée, elle a un peu de rose comme ça, un peu comme il y a sur leur couleur, hein. Il y a un peu de rose un peu aussi. Donc voilà, elle est vraiment pas mal. Alors avec cette pioche et ces personnages, on peut associer le planeur Glowrider qui a une rareté uncommon. Donc la pioche, c'est une rareté rare. Donc je pense vraiment, ouais, je sais pas du tout. La pioche, c'est une rareté rare. Donc ça coûtera, je crois, 600 ou 800 V-Bucks. Et le Glowrider, donc le planeur, c'est une rareté uncommon, donc je crois que c'est vert et je pense que ça coûtera 500 ou 600 V-Bucks aussi, dans les alentours. Alors les prochains skins aussi sont, ils envoient du lourd, regardez-moi ça, c'est deux skins genre métalliques, franchement c'est trop stylé, et bah, en forme de militaire, hein, enfin en tenue de militaire, donc voilà des commandos, donc la meuf avec du vert kaki, avec un pantalon militaire. Le type avec un béret, les potos, le béret et le kéfier, franchement, trop stylé, avec tous les deux un brassard jaune à leur bras, franchement, ils envoient du lourd. En plus, tout en métal comme ça, ça doit bien donner. Après, faut voir aussi au soleil pour voir si ça brille pas trop, si on se fait pas trop voir avec ça, mais franchement, ils envoient trop du lourd. Putain, c'est pas possible. C'est même pas des super-héros, mais j'ai déjà envie de les acheter tous, MDR. Donc avec ces skins là, qu'est-ce qu'on peut associer? Ben, on peut associer la pioche que je vous montre justement ici. Donc c'est la persuadée, donc c'est une rareté rare. Alors les skins sont d'une rareté rare aussi, donc ça coûtera genre 800 à 1200 V-Bucks. La pioche coûtera aussi 800 V-Bucks je pense, plus ou moins. Mais franchement regardez-moi cette pioche, putain c'est trop stylé, on dirait qu'elle a 4 petits missiles là, franchement je kiffe de ouf. Donc avec ces deux skins, ce qu'on peut associer, c'est le Solid Strider, donc qui a une rareté uncommon, donc qui coûtera sûrement 800 à 600 V-Bucks. Donc voilà, on peut bien voir que c'est bien le planeur pour ces personnages-là, parce que tout simplement, ils ont la même couleur, ils ont du jaune, du kaki, et voilà, 80, il est marqué dessus, je pense qu'il n'y a pas de 80 sur le skin. Non mais voilà, c'est vraiment, je suis sûr, c'est le planeur qui va avec, c'est obligé. Donc le prochain skin, là franchement c'est trop de la tuerie, on dirait un type de la rue comme ça, un graffeur, franchement trop stylé ce type. Il s'appelle
abstract et il a un niveau de rareté épique. Donc il coûtera 1500 V-Bucks si je me trompe pas. Mais franchement, il envoie du lourd. Je pense que je vais l'acheter direct dès qu'il sort. Donc avec ce skin là, donc on peut voir qu'il a un masque hein, devant sa bouche pour les bombes de couleur. On peut voir qu'il a une casquette TT. Franchement, elle est trop stylée sa casquette avec sa capuche, son suite et tout. Franchement, non, il est parfait. Il est béné ce putain de personnage. Franchement, je kiffe. Alors avec ce skin, tout simplement, on va pouvoir associer la pioche Renegade Roller, donc qui a une rareté épique aussi, donc qui coûtera genre 800 à 1200 V-Bucks, donc c'est un rouleau de peinture, hein, tout simplement, parce qu'il est associé à ce personnage qui est tout simplement un graffeur, donc voilà. Et on peut associer le putain de sac, regardez-moi ce putain de sac qui s'appelle Tag Bag, qui a un niveau de rareté épique aussi, et qui va coûter genre... en fait, il coûte rien du tout parce que tu l'as avec le skin. Donc voilà, donc dès que tu achètes le skin, tu auras le sac. Et regardez, il y a même un deuxième masque pour les odeurs des bonbonnes de peinture. Donc voilà, et on peut voir qu'il y a des bonbonnes de peinture aussi sur le sac. Le sac ressemble à un sac très bizarre avec une grosse tirette sur le dessus. Et on peut voir qu'il est plein de peinture. Donc voilà, un putain de skin avec un putain de sac, je kiffe. Alors le prochain skin que je vais vous présenter, c'est le Trailblazer, donc qui a une rareté épique, donc qui coûtera sûrement 1500 V-Bucks. Donc elle, c'est tout simplement un commando quoi, hein. Elle vient de l'armée, elle est assez stylée, assez simple, avec des tatouages sur les bras, avec un casque micro sur la tête, avec des lunettes de militaire. Donc voilà, avec des petites plaques aussi autour du cou. Avec franchement, j'aime bien son t-shirt parce que il a l'air d'être renforcé. On dirait que sur ses abdos, il y a du renforçage. Donc voilà, vraiment stylé. Après, je pense pas que je vais l'acheter parce que épique, hein, 1500 V-Bucks. Même s'il est stylé, c'est quand même un peu banal comme skin. Donc voilà. Alors avec ce skin, on peut rajouter la pioche attendrisseur, donc qui est une rareté rare, donc qui coûtera sûrement aussi 600 à 800 V-Bucks. Et en fait, cette pièce, je pense que je peux l'associer à ce skin là tout simplement parce qu'elle a un manche vert et voilà, elle a l'air de faire des bons dégâts. Regardez moi là, on dirait un marteau en fait, on dirait vraiment un marteau, et je pense que ça va faire du bruit, ça, quand tu vas frapper dans un truc, ça va faire spouak, spouak, comme le marteau de Thor. Franchement, trop stylé. Alors avec ce skin, on peut associer le planeur Steed Fast, donc qui a une rareté uncommon, donc on peut voir que c'est un peu un style militaire avec une étoile et des ailes sur le dessus, donc franchement il est pas mal, mais après il vaut pas cher, hein. Uncommon, je crois que c'est 400 ou 600 V-Bucks le planeur, donc ça va encore, c'est pas très très cher. Et avec ce skin et cette pioche et ce planeur, on va pouvoir associer le sac True North qui est un épique aussi, donc quand vous achèterez le skin, vous aurez automatiquement le sac. Donc je pense que c'est vraiment ce sac là parce qu'il a à peu près les mêmes couleurs, donc on peut voir qu'il a sur le côté il est un peu vert kaki avec un thème camouflage tout simplement militaire, avec une gourde, avec une petite pochette sur la droite. Voilà, il y a des petits trucs pour mettre des cartouches de pompe. Donc voilà, je pense vraiment que c'est le sac qui sera associé à cette femme. Et le dernier skin que je vais vous montrer, c'est le Royal Bomber, qui est un skin de rareté épique, donc qui coûtera 1500 V-Bucks aussi. Et ce skin, ça va, il a l'air stylé, c'est un genre un commandant avec un béret bleu comme ça, avec des lunettes d'aviateur, donc un costume bleu aussi, avec on peut voir qu'il a des grades sur son torse. Donc voilà, on peut voir aussi qu'il a un sac à dos, mais je ne sais pas. Je pourrais pas vous montrer le sac à dos parce que j'ai rien d'associé, je sais pas trop à quoi associer. Je vous ai montré tous les deux sacs à dos, et les deux sacs à dos, je pense pas qu'ils vont avec. Il a pas de pioche non plus, et il a pas de planeur non plus, donc voilà, je serais vraiment rien associé à celui-là. C'est juste un nouveau skin qui va sortir bientôt, et qui s'appelle Royal Bomber, et qui est en épique, rareté épique. Donc il est beau, il est stylé, mais après, on va voir. Ah, peut-être que sur son bras gauche, il y a des ailes, on dirait des ailes. Donc peut-être qu'on pourra associer le parachute qui a aussi une étoile avec des ailes sur le dessus. Donc je sais pas. Après, il a une couleur bleue, donc voilà, je pense que c'est pas trop associé. Mais après, ça peut faire un bon ensemble quand même. Donc maintenant, je vais vous parler des émoticônes, parce que les émoticônes, ils en ont sorti 5 et franchement, ils ont l'air vraiment pas mal. Alors le premier émoticône que je vais vous montrer, c'est le freestyle. Donc il a une rareté épique, voilà. Et tout simplement, il va faire du freestyle, poto. Ça s'appelle freestyling et il va sûrement danser en faisant du freestyle, quoi, tout simplement. Alors après, il y en a un autre, le Boneless.
Donc le bonnelès, il a l'air de faire une position très bizarre. On dirait un peu la position que... Enfin, la danse qu'on peut débloquer dans le Season Pass, enfin dans le pass de combat 4, gratuitement. Je pense que c'est palier 30 ou 40. Et voilà, il danse un peu n'importe comment. Mais je sais pas, je comprends pas pourquoi elle y serait. Enfin, je sais pas. Mais en tous les cas, elle me fait penser à cette danse. Alors, la prochaine danse, c'est le chicken, les potos. La danse du poulet, les frères. C'est abusé, franchement. Elle a l'air d'envoyer du lourd aussi, celle-là. À mon avis, c'est la danse des poulets. Elle ferme ta gueule, elle va t'asseoir. Enfin, bref, tu vois, t'as capté. Alors, la prochaine émote, c'est tout simplement pouce vers le bas, donc thumbs down. Donc, le pouce vers le bas, genre, t'es nul. Et la prochaine émote, c'est tout simplement thumbs up. Donc, le pouce vers le haut. Voilà, tout simplement, ils vont faire un pouce vers le bas ou un pouce vers le haut. Donc, voilà, avec une rareté verte, donc c'est uncommon, je crois. Ça coûtera sûrement 200 V-Bucks, un truc dans le genre. Donc voilà, je vous ai présenté tous les skins de qui vont bientôt sortir sur Fortnite. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace.